Et salut tout le monde, c'est Edkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Roblox. On est actuellement sur le jeu Noob Army Tycoon, un jeu dans lequel nous allons devoir constituer notre armée de noobs. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner, sachant qu'un noob de base, bah, c'est quelqu'un de très nul en fait. Et alors, si on en fait une armée, mais qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Bref, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui avec, eh bien, notre premier achat. Et il s'agit, ben voilà, d'un noob. Et bienvenue à toi, petit noob. Donc, un noob qui travaille sur son ordi et a clairement marqué qu'il va nous rapporter 1 de monnaie chaque seconde. Alors ma monnaie elle est là et apparemment j'ai pas besoin de la collecter, ça c'est très pratique. Ici on va prendre les murs pour commencer notre tycoon et j'ai vu que tout le monde se rassemblait. Regardez, il y a une petite armée là. Oh regardez, ça avance là, mais ils vont se battre. Attendez, c'est les bleus contre les rouges là-bas. Ça va se battre, non? Ah oh, mais je suis trop loin pour voir. Attendez, je crois que je peux déployer mon pont. J'ai vu, ah ouais, trop stylé. Attendez, on va aller voir. C'est en train de se battre, mais nous on va éviter d'y aller parce que bon, ok, un noob c'est nul, mais bon, s'ils sont plusieurs, on risque de se faire démonter. Ah ouais, c'est en train de se battre de ouf là. Ouah, je me fais tirer dessus, what? De là-bas il m'a eu. Ok, attendez. Je vais rétracter mon pont et je vais développer mon armée. Vous ne payez rien pour attendre. En tout cas les amis, je vous demande à tous de mettre un maximum de pouces bleus sous cette vidéo. Alors j'ai pris un mur, c'est peut-être pas le plus intéressant pour l'instant parce que j'ai pas besoin de me protéger vu que j'ai le pont. Non, nous ce qu'il nous faut c'est des petits ouvriers comme ça, des petits noobs là, qui me permettront d'avoir un petit peu plus de thunes chaque seconde. Oui, donc je disais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve maintenant avec 4 travailleurs et un snotre ici et encore un autre, voilà, c'est bon, 6, c'est pas mal 6. Ah non, on peut encore en prendre. Bah attendez, je vais faire que ça. Ah oui, mais il commence à coûter cher. Ici, on a quoi? Un super noob worker. Ah ouais, je peux l'avoir parce que... Ah non, je croyais parce que j'avais rejoint le groupe. Mais non, vas-y, je vais le prendre. Il y avait marqué qu'on pouvait, en rejoignant le groupe, avoir des trucs gratuits. Ah, c'est ça qu'on peut avoir, le premium qu'on peut avoir gratuit, je pense. Et par contre, il ouvre mon type, là, faut que je débloque. Ouais, c'est bon. Ici, on a un VIP noob worker aussi. À 50, il a intérêt à me rapporter beaucoup, hein. Voilà, allez, je le débloque et attendons, combien il me rapporte? Ah ok, celui-là il fait 10 monnaies, celui-là il fait que 1 monnaie par seconde. Ouais mais à mon avis, vu que j'ai eu un truc VIP, x2 monnaie. Ah mais moi je vais l'activer ce truc-là là. Ah d'accord, il faut que je prenne le contrôle du milieu là-bas pour avoir le x2. Oh mais il y a tellement de noobs, il va falloir que j'en recrute un maximum hein. Parce que pour l'instant je prends les ouvriers mais il va me falloir des soldats, c'est ça qu'on veut nous. On veut des combattants. Bon, ça commence à en faire hein, des ouvriers là. Et si je vais débloquer une petite route, waouh, j'adore comment ça se met en place tranquillement. Mais on va avoir plusieurs pièces comme ça. Ah, oh, qu'est-ce que c'est, un hangar ça? Ouais, c'est un hangar. On va peut-être avoir un véhicule. Noob spawn 1. Oh, attendez. Ça y est. Un gunner. Il a un gun. Trop stylé. Attends. Arrête-toi. Il n'y a pas de pont. Arrête-toi. Ah, c'est bon. Ouf. Par contre, là, si je mets le pont, il va y aller direct le type. Hein. Donc, on va en prendre un deuxième, un troisième, un quatrième. Ah ouais, on va tous les prendre comme ça. Par contre, je vais les envoyer au combat, mais je sens que ça va pas être suffisant. Hein. Allez, les gars. Tous au combat, je compte sur vous. Avec vos petits Fahrenheit là que vous avez dans les mains. Allez, vous êtes prêts? Oh mais il y a des véhicules, vous allez vous faire allumer. Bon, je viens pas avec vous, j'ai trop peur. Bon, allez-y, let's go. Vous pouvez commencer à y aller, hein, c'est bon. Ah, ça y est, le pont est terminé. Ils y vont. Alors, il y a un bouton, c'est Spectate Army. Ah ouais, je peux les suivre comme ça. Ok, bah j'attends qu'ils avancent un petit peu. Moi, je vais continuer ma base. Et ensuite, on regardera s'ils se font démonter. Alors là, à mon avis, ils commencent à se battre, là, non? Attention. Ah, ils arrivent presque au milieu. Allez, les gars, je veux que vous preniez le milieu, qu'on ait le x2 de cash. Oh là là, mais l'autre, il a un bouclier qui arrive sur le côté, comme ça. Allez, les gars, go, go. Défoncez-les. Oh, je me fais allumer. Non. J'en ai tué que 2 ou 3, ils m'ont allumé. Je suis dégoûté. Bon bah les gars, oh, non, n'y repartez pas. Non, c'est du suicide. Vite, je rétracte le pont, revenez. Oh oh, il va y avoir un problème là. Il continue quand même dans l'eau. Ouais, il continue quand même. Ah non, c'est bon, ils sont morts. Bon, allez, vite, il nous faut de la thune. Des ouvriers. Il y a que ça ici, c'est le bâtiment des ouvriers. Ah, je peux travailler moi, d'accord. Je peux travailler pour 52 monnaies. Ok, bah en attendant, je peux faire ça, ouais. Allez hop, je le fais qu'une fois, après j'ai plus envie. Hein. Encore un ouvrier, 420, il commence à coûter cher maintenant, 475. Allez, j'en prends un dernier et ensuite on part peut-être développer de nouveaux soldats. Moi je veux des véhicules et tout. Hein. Ok, le hangar coûte vraiment pas cher, hein. Les soldats 250, ça va. Alors c'est quoi là ces soldats là? Qu'est-ce que c'est? Ah, je l'ai pas vu, c'est un gunner aussi. Oh là là, c'est que des noobs en fait. Ben oui, c'est que des noobs. C'est une noob army. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas des soldats de ouf. Je sais pas, moi je veux des tanks ou un truc comme ça. Research Center, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oui, j'ai vu qu'il y en avait des points de recherche. Waouh, c'est en train de se battre au milieu là, c'est pas les miens apparemment. Noob Researcher, ah d'accord, et eux ils vont me permettre d'avoir des points de recherche qui permettront sûrement d'améliorer nos troupes. Alors, Super Researcher, vas-y j'en prends un, j'espère qu'il va me rapporter beaucoup hein.
Combien il va rapporter celui-là? Plus 10, d'accord. Chaque seconde, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, là? Oh, regardez! On va avoir toutes les infos. Oh, on est en train de débloquer les nouveaux soldats, c'est trop stylé! Attendez, ça coûte combien par contre? Oh, 100. Ah oui, mais il me faut plus de points de recherche. J'ai pas assez de points de recherche malheureusement pour continuer, mais c'est trop stylé. J'ai débloqué scout, des soldats, des snipers et des mecs à l'épée. Et ici, ça sera les véhicules, ok. Oh là là, c'est trop stylé. Bon, il me faut plus d'ouvriers, il me faut plus de points de recherche là, clairement. Allez, venez, 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 venez. Venez, venez, venez travailler pour moi. Alors, on va essayer de compléter ce bâtiment là pour que ce soit plus sympa, parce que les pauvres, s'il pleut, ils vont s'en prendre plein la tête. Et je vais perdre tous les ordi qui est à l'intérieur. Toujours pas de plafond apparemment, mais c'est pas grave. Je vais prendre de nouveaux ouvriers. Encore une rangée d'ouvriers, ça suffira, je pense. On est combien là? 26. C'est quoi ce truc là là? Ah, des escaliers, d'accord. Ah non, on va avoir d'autres workers au-dessus encore. Ah, voilà, une sorte de plafond qui est plus un étage. Piou, voilà, c'était le dernier ouvrier d'en bas, hein. Ça en fait les workers ici, hein. Et alors au-dessus, on a quoi du coup? On a dit, est-ce que ça va être ça? Ah, ok, les murs là, tranquillement, on va débloquer ça, d'accord. Les super noob workers. Alors ceux-là, ils vont travailler beaucoup mieux, hein. Missile button. Et j'ai toujours un noob qui est bloqué là-bas. Allez, on continue de prendre les murs. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer de l'armée, hein. Il faut absolument que j'aille prendre le contrôle du milieu pour gagner deux fois plus de thunes. J'ai besoin de thunes, là. Là, c'est la crise, c'est la crise. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer? Attention, qu'est-ce que ça va être? Ah, d'accord, c'est un mec à l'épée un petit peu plus puissant que le précédent. On va essayer de tout prendre, hein. Ah non, je pourrais pas tout. J'ai vraiment plus beaucoup de thunes, là. Qu'est-ce que j'ai pris? Oh, ok. Des infirmiers, mais aussi des mecs avec une bombe sur la tête. Mais je comprends pourquoi c'est des noobs. Il a rien compris au principe, lui, hein. Allez, on en débloque un nouveau ici. Mais est-ce que là, du coup, directement... Non, c'est des gunners. Comment je peux débloquer les autres? Ah, je sais pas. En tout cas, je vais les envoyer au combat, écoutez. Mais ils sont tellement au milieu, ils sont énormément. Je vais me faire démolir, mais c'est pas grave. Allez, je vous envoie, les gars. Bonne chance, hein. Moi, je rentre à la maison. Je vous envoie du renfort, vous inquiétez pas. 550, le prochain. Ah, je suis désolé, hein, je vous fais spawn, mais vous allez mourir immédiatement, les gars. Oh là là, les pommes. Alors, Center Wall, qu'est-ce que c'est que ce nouveau bâtiment qu'on va avoir ici? C'est peut-être ici que je vais pouvoir avoir les véhicules ou quelque chose. Non, peut-être pas, hein, parce que bon, ça passe pas là. Les véhicules, ils passent pas là-dedans. Chapeau, d'accord. Oh, c'est plus de la déco ici, je pense, hein. Ouais, ouais, c'est plus pour le style, hein. Donc, on verra ça tout à l'heure, je pense. C'est pas le plus important. Oh, mais attendez, si, je peux custom mes noobs, tous mes noobs. Ah, je leur ai mis un chapeau, mais malheureusement. Alors, attendez. Oh, il y a quelqu'un qui me rend visite. Qui es-tu, toi? Ok, vu comment ils sautent, c'est sûrement un abonné. Oh, regardez leur nouveau chapeau, trop stylé. Alors, attendez, par contre, je vais aller spectate. Ah, ouais, mais là, ils sont plusieurs à attaquer. Il y a ceux du côté qui sont en train de les attaquer. Et moi, même en face. Ah non, en face, c'est des renforts. Non, même pas. Non, non, non. Oh, ça attaque de partout. Peut-être qu'on a une chance. Peut-être qu'on a une chance. Allez, les gars. Continuez. Allez, défoncez-les. En plus, ils m'attaquent pas pour l'instant. Donc, on en profite. Allez, tous sur ceux du centre. Tous sur ceux du centre. Le centre, le centre, le centre. Oh là là. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il fait là encore, lui? Lui, il est complètement bloqué. Lui, il pourra plus me servir du tout. Ah, si, c'est bon, il a réussi à le débloquer. Bien joué. Alors, combien il m'en reste? Oh, il en reste que deux au centre. Bien joué, tout le monde, hein. Oh là, mais il en faut tellement. Ah là, à mon avis, vu le nombre de troupes qui arrivent en face, c'est eux qui vont prendre le contrôle du centre. Hein. Ou peut-être eux, je sais pas. Hein. Oh là, c'est chaud, là. Oh, cette bataille de noobs. Mais eux, comment ils sont trop bien custom. Ils ont les petits boucliers et tout ça. Bon, bref, je vous laisse vous battre. Ah, mais moi, ça continue à avancer, hein. Ça continue, hein. Bon, bref, allez, on retourne ici. Il faut que j'aille bosser. Je vais les arrêter parce que sinon, ils vont faire n'importe quoi, mes noobs. Alors, ici, apparemment, on va avoir des garages. Donc, c'est peut-être là, justement, qu'on va pouvoir avoir les petits véhicules trop stylés. Ouais, ça va être là, ça va être là, ça va être là. Donc, véhicule spawn, nickel. Waouh, ça y est, enfin. Les mecs sont un petit peu plus puissants. On continue à les débloquer. Ah, mais j'ai assez de thunes pour tous les débloquer en plus. Ah, ouais, nickel. J'ai eu tous les véhicules d'un coup. Ça commence à en faire des gars là. D'ailleurs ici, je débloque le dernier qui nous manquait, un petit gunner. Et là, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Un super noob spawner. Ah. Oh, le super soldat. Avec deux M4 dans les mains. Il a des tellement gros bras qu'on voit même pas les M4 en entier. De ce côté-là, on n'a toujours pas débloqué. Qu'est-ce que ça va être? Center Wall encore. D'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est? Encore un truc de recherche ou quoi? Noob. Ah, d'accord. C'est les infirmiers qui seront là, non? Ah non, d'accord, c'est pour que mes noobs, ils aient plus de vie de base. Ah ouais, c'est toutes les upgrades. Oh, on va les mettre trop bien. Plus 10 damage, plus 2 de speed. Oh, je les mets bien, je les booste un max. Bon, j'ai plus de thunes, par contre, là. Derrière, c'est quoi? On peut étendre l'île ou pas? Ah, c'est un pont. Pourquoi on mettrait un pont ici? Qu'est-ce que ça va être? Je sais pas. Ouais, encore un pont, d'accord. Non, mais on est en train clairement d'étendre l'île, hein. Là, ça va être stylé, mais je sais pas où ça mène. Encore un troisième pont. Est-ce qu'il va falloir encore un pont?
Est-ce qu'il va falloir encore débloquer le pont? Ouais, c'est ça, mais c'est un truc de fou, c'est illimité en fait, je sais pas où ça mène. En fait, je devrais pas me préoccuper de ça pour l'instant, c'est pas ma priorité. Mais je suis trop tenté pour voir ce qu'il y a. Ah oui, ensuite on aura un sol, celui-ci coûte 1000$ par contre. Attention, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Wow. Ok, on a tout un nouveau truc là. On va pouvoir mettre de l'herbe ici, on va pouvoir mettre de l'herbe un peu partout. Mais je sais pas quoi. Ah, mais c'est juste de la déco ou quoi? Mais c'est vraiment pas ma priorité pour l'instant, moi. Ouais, c'est bon, j'en ai marre de cet endroit, je reviendrai plus tard. Il faut que j'envoie tous mes noobs, regardez les nombres de noobs que j'ai maintenant. Soldats, j'espère que vous êtes prêts. Je vous déploie le pont tout de suite. Allez les gars, au boulot, on les démonte. Prenez le contrôle du centre. Bon, en attendant, je vais faire des courses, moi. Je vais continuer la recherche en mettant des véhicules un petit peu meilleurs, apparemment. Des véhicules explosifs aussi qu'on va pouvoir avoir. Des scouts, ok, des tanks, des petits tanks. Trop stylé. Là, j'ai plus de thunes. Bon, c'est pas vraiment des tanks, hein, c'est des tankettes, quoi, c'est des petits tanks. Alors, mon armée, elle en est où, là? Wow! Ok, c'est bon, on va prendre le contrôle du centre, bien joué, les gars! Allez, let's go! Vous êtes bons, là. Là, vous pouvez rester au centre, les gars, restez au centre. Ah ouais, je suis plutôt pas mal, là. Oh, ça arrive de tous les côtés, par contre, hein. Ah, on va se faire démonter, on va se faire démolir, non! Bon, ok, ça va pas le faire. J'ai plus rien. C'est le moment pour moi de débloquer encore une fois les super noobs ici parce qu'il va me falloir de la thune vraiment, vraiment, vraiment. Ceux-là, ils donnent 10 monnaies chaque seconde. Ok, c'est pas mal. Super noob worker numéro 2 qui va se mettre là aussi. 10 secondes, 10 monnaies par seconde. Et là, ouais, j'ai toujours le fou à 2 monnaies. Ça, ça fait plaisir. Le centre est maîtrisé pour l'instant. Ouais, ça va. Là, ça va être chaud. Là, il me reste plus beaucoup. Il me reste plus grand monde au centre là pour l'instant. Oh, il y a du monde en face. Oh, yeah. Ok, je suis en train de perdre le centre. Je vais le perdre. Non, j'ai plus le foie de monnaie. Bon, je vais essayer de les boost encore, mes petits noobs là. Attaque distance, ils en ont un peu plus. Noob explosion, ça c'est plus intéressant aussi. De l'autre côté, on a plutôt quoi? Ah, c'est pour les véhicules. D'accord. Tout ce côté là, ça va être les véhicules que je vais pouvoir améliorer. Tac, je prends tout. Apparemment, j'ai pris le contrôle du centre. Et je sais pas hein, comment ça se passe là. Vraiment, j'ai le centre là? Ah ouais. Ouais, pas trop mal. Oh, il s'est fait démolir. Ah là, je l'ai plus le centre là. Allez, en attendant, j'ajoute un travailleur ici. Et il va m'en falloir d'autres. Hein. 5500, il coûte tellement cher. Par contre, là, il y a un truc, c'est missile button. Il faut absolument que je le prenne. Je sais pas ce que c'est. Attention, missile button. Missile need to be researched. Ah merde. Bon, ok, il faut que je le recherche. Ah, ben voilà, c'est bon, je le recherche là tout seul. Ah non, non, non. Ok, il faut que j'aille le rechercher là-bas. Alors, les gars, il faut qu'on trouve le missile là. Comment on va le débloquer celui-là? Alors, qu'est-ce que je suis en train de débloquer là? Le mortar véhicule, le mortier, d'accord? Ainsi que quelqu'un avec un lance-roquette. Trop stylé. Oh, je suis en train de prendre les shields là, c'est bon, je vais voir les shields enfin. Les boucliers. Ah, ça y est, je commence à avoir quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est le dernier? Ah, c'est un gars avec un pompe, d'accord. Oh, regardez ce qui est en train d'arriver en face. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. C'est les tanks avec les mortiers ici. Eux, ils vont prendre le contrôle du centre, c'est sûr, ils sont trop forts. Bon, je vais quand même aller voir de ce côté-là, on n'y est pas retourné depuis tout à l'heure. On dirait que sur les côtés, on a plus de la déco, là, comme ça. Mais ensuite, derrière, il semblerait qu'il y ait un truc un peu plus grand, on va voir. C'est peut-être ma maison, je sais pas, hein. Ok, on va prendre les petits arbres, voilà, pour faire plaisir, quand même, c'est très beau. Et attention, qu'est-ce que ça va être ici? Ah, c'est une statue, mais à quoi? Oh, mais ça coûte tellement cher! 2000, je suis en train de me ruiner pour une statue, mais je veux tellement l'avoir. Oh non, je suis ruiné juste pour avoir les jambes de d'un noob. Bon, la statue reviendra plus tard, ça coûte trop cher. Ah, mais il y a un truc, regardez, sur le corner, là, on peut débloquer, on peut peut-être continuer un petit peu la plateforme. Combien ça va coûter? Un silo bridge. Ah, ok, c'est un silo nucléaire qu'on va mettre ici. Wow. L'emplacement est prêt. Par contre, si j'ai le nucléaire avant tous mes ennemis, je vais les démolir. Par contre, faut faire quoi? Ah oui, faut aller là-dedans, là, mais comment je vais remonter après? Je sais pas. Attention, c'est parti! Faites-moi remonter, par contre, hein. Ah, voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le silo nucléaire, et en plus, j'ai assez de sous pour le prendre, donc c'est parti. Ah, c'est juste le socle, en fait. Oh, merde. Comment on peut l'ouvrir? Comment? Ici, on va avoir, d'accord, hein, de quoi aller dessous, et là, c'est parti, il va falloir tout débloquer, hein. Donc, missile. Ah, c'est ici qu'on va pouvoir l'avoir. Je vais pouvoir lancer des missiles depuis la base, apparemment. Oh! Et pas n'importe quel missile! Équipe this missile. Bon, est-ce que j'ai le centre là pour l'instant? Non, apparemment j'ai pas trop le centre là. Là, on se fait démolir. Faut absolument que j'aille tester le missile. Là, c'est une priorité pour moi. Missile. Alors, 2500. Ah, mais ça coûte cher! Ça coûte super cher! Bon, allez, vas-y, je le fais. Launch missile for 2500, c'est parti! Attention, je me mets là, il va partir. Il est où? Ah, je l'entends partir.
Je l'entends partir du silo. Je l'entends. Il arrive. Ça va péter. Attention. Bon, ça a éliminé tout le monde qui est au centre. Ah là là. Bon, bah, c'est bon. Ah, voilà, plus j'ai pris le milieu. C'est parfait. Allez, c'est parti. C'est le moment pour nous de faire de la thune. Ah, ça coûte cher, par contre, les missiles. Hein. Allez, je débloque le dernier ouvrier de l'étage. Et c'est bon, niveau thune, je crois qu'on a tout au max. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller débloquer les. Ah, attendez, il y a un truc ici. Glider. Ah, ok, on peut monter. Donc, peut-être qu'on va pouvoir mettre d'autres travailleurs ici, non? Ah, non, c'est juste pour prendre une petite vue d'ensemble. Ok, alors maintenant. Quelle priorité je sais pas, ouais, peut-être la recherche, hein. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait, faudrait tout débloquer là. Donc ici, on a les Fire Explosive Noob qui vont venir se mettre juste là, d'accord. Ils ont juste une bombe en feu, d'accord. On va mettre une ambulance, ça peut être pratique. Ici, on a quoi? Weapon Color. On va avoir des armes de différentes couleurs apparemment. Ah, oh, ouais, je peux avoir les M4 rouges. Oh, bah les M4 rouges, moi ça me va, hein, c'est très bien comme ça. Les petits escaliers qui nous permettent de continuer les améliorations. Ok, de ce côté-là, encore des matériaux, non, on s'en fiche. Ah, on peut leur changer leur tête. Ah ouais, on va leur mettre leur tête pas contente du tout, là. Voilà, comme ça. Donc, à quoi ils ressemblent maintenant? Est-ce qu'ils font la gueule un peu? Ah ouais, les nouveaux, ça y est, ils font la gueule, hein, ils sont pas très contents. Ils ont tous les armes en rouge, très stylé ça. Yo, money per kill. Ah, on gagne de la thune quand on fait des kills, je savais pas ça. Bah c'est bon à savoir. Ah ouais, mais ça je le mets à fond, moi je veux de la thune. Ah bah voilà, ça y est, c'est le premier truc que j'ai mis à fond. Même tout en bas, j'ai rien mis à fond là. Du coup, en parlant de mettre à fond, ça on va mettre à fond, ça on va mettre à fond. Ça y est, on commence à avoir une armée potable, on va dire. Hein. Même si ça reste des noobs, on n'oublie pas. Ah d'accord, c'est sur le bouton Change Army que je vais pouvoir donc modifier mon armée comme je le souhaite. Et alors, je sais vraiment pas ce qui est le plus intéressant. Light Tank. Oh mais ça coûte tellement cher les tanks par contre. Ah non, c'est bon. Light véhicule, on va le changer pour un mortier comme ça. Les tankettes, on va en mettre un là. Scout car, on va essayer d'en mettre un de chaque. Et mes gunners, faut les changer, hein, ils sont trop nuls. On va mettre des snipers, on va en mettre deux snipers. Des scouts également. Des mecs explosifs, on en veut. Voilà, je vais avoir des trucs pas mal. Il nous faut une ambulance quand même. On va mettre un infirmier, ça suffira. Et voilà, les boucliers sont là. On va en mettre un petit peu partout. Et voilà, ça y est, on va avoir des armées pas trop mal là. Je vais enlever tous mes gunners parce que je pense que c'est les plus nuls. Alors je vais tous les remplacer. Allez, bazooka, on met là. Et un autre bouclier, allez, ça en fera deux. Et là, c'est bon, mon armée commence à ressembler à quelque chose de stylé. Alors lui, c'est un... Ouais, celui, c'est un scout. Bon, ok, je vous laisse vous battre tranquillement. J'ai pas mal de thunes, moi. Il faut que j'aille débloquer, donc, les points de recherche avec de nouveaux noobs qui vont travailler encore. On va compléter ce bâtiment. Hop, voilà. Ah, on va avoir un autre tableau de recherche là-haut avec des super soldats trop stylés. Bon, bah, autant finir ce qu'il y a en bas. On va acheter ça, on va acheter ça, on va acheter... Ouais, go, envoyer un missile, j'en ai marre, moi. C'est parti. Appelez-moi président Trump. Allez, regarde le décollage de ma fusée. Ah, elle est partie sans moi. Je l'ai. Oh là là, elle est toute là-haut. Vite, vite, faut que j'aille voir ça. Alors, ça arrive, les gars. Ça va péter. Alors, restez pas au centre, mon armée. Restez pas au centre. Ça va chier. Attendez, Spectate Army. Allez, c'est parti, ça tombe. Et bam, y'a plus personne. Alors terminons ici avec de nouveaux tanks. Oh là, ils coûtent super cher, 25 000. Ils sont super chers. Alors je vais tester mes nouveaux tanks. Donc ça, c'est les tanks rouges comme ça que je vais mettre à la place de celui-là. Le Fire Tank, on va le mettre à la place du mortier, voilà. Je vais enlever l'ambulance, ça sert à rien. On va y mettre, deux tanks lance-flammes. Oh, il vient juste de spawn là. Ah, c'est celui-là, là, trop stylé. Celui-là, c'est le Fire Tank. Bon, pour l'instant, j'arrive pas à prendre le contrôle du centre. Hein. Mais à mon avis, ça va le faire là. Oh, à mon avis, ça va le faire. S'il y a du monde qui arrive là. Allez, les gars, oh, il y a du monde qui arrive à gauche également, par contre, à droite. Oh là là, mais il y a trop de monde, c'est abusé. Ah, tout le monde le veut, ce x2, ah, tout le monde le veut, c'est un truc de fou. Oh, regardez comment il en fait, lui. Il a pris tellement cher. Ah, le problème, c'est que mes véhicules, ils sont vraiment très lents, hein. Mes tanks et tout, ils sont très 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 lents. Alors, on va se prendre des petites upgrades. Alors, non, ça, c'est une échelle. Ici, on va rajouter de la vie pour les véhicules, de la vitesse, des damage. Ah, attendez, de la vitesse, il me faut, voilà, à fond. Damage, on devrait pouvoir mettre à fond. La vie, on va la mettre à fond également. L'attack distance. Ah, ça va être intéressant. Allez, on met ça à fond également. Est-ce que je vais avoir assez de thunes pour tout finir en bas? Je crois que oui. Encore une dernière fois avec plus d'explosion distance. Et en haut, il n'y a rien. Ah oui, non, en haut, il n'y a rien du tout. Et là, ça nous amène où, ça? Ah, attendez, il y a un truc ici. Une noob statue, d'accord. Ah, bah celle-là, elle coûte beaucoup moins cher que la grande qui est au fond là-bas. Bon, ok, très bien. Et ici, on peut encore monter. Ok, il n'y a rien. Par contre, là, il y a un truc. Ah, c'est encore une échelle pour monter également. Mais ça va servir à rien pour l'instant. On débloque le lance-flamme qui sera juste là. Il n'y en a que 3. Ah, il n'y en a que 3. Alors, ces 3-là, je vais les mettre parce qu'à mon avis, ils sont super bien. Ah, mais je peux en avoir qu'un seul, d'accord. Soit c'est le super soldat, soit c'est un avec le bouclier de ouf, ou soit c'est avec le lance-flamme. Bon, on va prendre le lance-flamme. Hein. Ah, du coup, c'est celui-là qui
est là, attendez, j'arrive pas à le voir. Ouais, c'est là. C'est le grand là, avec lance-flamme. Bon, je vais leur débloquer de nouveaux skins. Ça leur fera plaisir, mes petits nobles. Tu es en train de tout prendre là. Pas très cher. 100$ l'unité, ça passe. Bon, on leur met lesquels? Ah ouais, ceux-là, ils sont bien méchants et bien stylés. Je vais prendre celui-là. Bon, je vais changer leur matériau parce que c'est vraiment pas beau. Ah, mais il y en a d'autres de ce côté-là également. Oh, celui, on dirait de la glace. Je vais prendre celui-là. Le néon. Non, moi, je veux le néon, moi. Ah, il y en a un qui est invisible comme ça. Trop stylé. Alors, je débloque toutes les couleurs des skins des armes. Il y a doré qui est très stylé ici. Et le 24e, attention, je veux que ce soit un truc hyper pétant, s'il vous plaît. Ah non, c'est un random 2, d'accord. Non, non, moi, je veux le truc. Moi, je veux le néon. Alors, au niveau des chapeaux. Ah, j'hésite. Mais franchement, le petit casque de soldat, là, il est bien stylé, donc je vais le prendre. Bon, eux, ils ont des bombes sur la tête, donc on verra pas le nouveau chapeau, mais c'est pas grave. Ah, lui, il l'a. Oh, j'arrive pas à voir. Lui, il l'a. Lui aussi. Il me restait un missile à prendre ici. Je sais pas si on va avoir d'autres choses ou pas. Ah oui, d'accord. Allez, vas-y, je le prends celui-là, c'est sûrement le meilleur. Ah, et si j'avais pas débloqué, on va avoir un petit étage également au niveau des customs. Ça, c'est pour améliorer mon tycoon, je pense. Améliorer ma base. Ah oui, ça a changé un petit peu l'herbe, elle est un petit peu plus sympa, là. Bon, allez. Ah, la statue de noob. Mon maître, j'arrive te composer. Parce que pour l'instant, t'as que les jambes, mon pote. Ah, combien c'était? 2000 pour avoir un bras, 2000 pour avoir l'autre bras. Et attention, la tête, elle est où la tête? Pourquoi il n'y a pas la tête? Faut que je monte ou quoi? Faut que je monte? Il est passé où? Ah, ok, il est derrière. Ah non, d'accord, faut que je débloque la petite échelle comme ça. Ensuite, l'autre échelle, d'accord. C'est bon, je vais te mettre la tête, mon pote. J'arrive. Et là, voici la tête. Et qu'est-ce que c'est que ce... Oh, je peux lui mettre une épée. Waouh, trop stylé. Bon, elle sert à rien par contre. Je croyais qu'il allait attaquer, mais non. Bon, bah c'est bon, la statue est terminée. Bon, allez, je vais bloquer tout le monde et on va se préparer pour un assaut final ensuite. Alors, arrêtez-vous. Voilà, venez là, on sera ensemble. Allez, je débloque la dernière recherche qui nous manquait, qui était là à 25 000$. Et c'est bon pour les recherches. On a un nouveau tank, Super Heavy Tank. Okay. Bon, allez, j'espère que vous êtes prêts. Attendez, je vais changer. Super Heavy Tank, il m'a coûté tellement cher que je vais en prendre deux quand même, tech. Non, allez, je vais mettre que ça. Je vais mettre que de ça. Voilà. Et on va mettre que des mecs au bouclier. Allez, comme ça, c'est fait. Respawn Army. Et là, c'est parti, ils arrivent là. Waouh, trop stylé. Allez, préparez-vous pour l'assaut final, la team. Tout le monde est prêt? Personne n'est encore dans son couchage, tout va bien? Alors, attendez-moi là, je vais lancer un missile et ensuite, on rush. Allez, c'est parti. Je lance ce missile, let's go. Allez, j'arrive, vite, on marche. Ok, le missile est en train de partir, j'entends. Oh, il est déjà très haut. Voilà, on va arriver après lui. Hein. Bon, tant mieux d'un côté, mais bon. Oh, le missile, et bam! Ah, j'ai pas fait trop de dégâts en vrai, hein. Enfin, si, j'ai dû faire pas mal de dégâts, mais ils sont pas disparus, les trucs, hein. T'as, ils commencent à disparaître, là. Allez, les gars, on y va! Oh, mais je suis tellement blindé, là, par contre. Il y a que mon grand noob, là, qui est pas blindé. Mais là, je vais faire du sale. Hé, hey, on m'a attaqué. Non, pourquoi moi? Mince, vite, faut que je rejoigne mon armée. Oh, ils sont en train de prendre clairement le contrôle du centre, là. Oh, cette domination. Oh, avec tous les boucliers, on va être trop bien. Allez, les gars. Non, mais là, je suis imprenable. Personne ne reprendra le centre. Quoique, j'ai perdu pas mal de mecs avec les boucliers quand même, hein. Ok. Ah ouais, non, c'est chaud, hein. C'est très chaud. Il y a trop de monde en vrai. Ah, je me suis fait exploser, pourquoi? Bon bah écoutez, on a terminé ce tycoon. Il était super sympa et très original. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu sous la vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Salut à tous, c'était Redkill. Bye tout le monde.